Je vous invite à faire le tour d'harmonie. Merci, la première adjointe qui a accueilli la micro. Merci, merci à vous. On vous dit avec vous, madame, ici, on vous dit avec l'adjointe de la musique, qui s'est fait la culture, de l'équipe de l'ensemble des concurrents, merci à elle. Merci, merci, effectivement, le passage. Regardez ici le numéro de soliste qui a été imparable jusqu'alors. La route qui sera longue, il a besoin de vos encouragements. Le passage à 5 tours de l'arrivée, prochain tour, ce sera la nouvelle prime de l'après-midi. Ce sera la prime de 60 euros. Et c'est en trois temps de Gabriel Ezer. On avait cité initialement la formation des Côtes d'Armor. Ce sera le cas également avec la formation, cette fois-ci, de Jacques Burlot, qui va devoir travailler sur les derniers kilomètres, avec sur l'ouverture le passage qui était des plus superbes. On était un passage du mois avec Hugo Rivalin, l'ancien vainqueur de Mellerand, celui qui avait remporté la victoire également dans la cité de Pluvigny, dans la cité du regretté Jean-Marie Guasmat, qui avait remporté étape sur la roue du Tour de France. Merci, merci Laurent, il va rester effectivement, ce sera deux autres parts à faire valoir, ça attaque sèchement, on pouvait s'en douter, puisque les autres coureurs, il va rester deux autres bonnets sur la ligne, ce sera la prime à 4 tours de l'arrivée, 4 tours du finish, avec le coureur de Jean-Philippe qui est véritablement en ligne, parfaitement en ligne, c'était le passage, pas de soucis, puisque cette fois-ci donc, en deuxième position, on était avec le Finistérien Adrien Malgorn, le coureur de la région de division, le vice champion de Bretagne chez les juniors, celui qui avait remporté également dans la région capéroise victoire d'étape sur le trophée Sébaco. En revanche, c'est un peu la valse hésitation au niveau de ce peloton, messieurs, pour l'arrivée de passage. 4 tours dès à présent pour l'arrivée. Trois tours de l'arrivée, Baptiste Lemaire, prochain tour messieurs, ce sera la prime, cette fois-ci de 100 euros, avec Hugo Chandemer qui avait les bien calés au sein de ce groupe de contre-attaque, que ce soit notamment, mais voilà, ça va très très vite avec cette ouverture. Nous étions avec Steven Hélary, celui qui est originaire de la région rennaise, qui a été le brillant vainqueur sur le circuit de Pleurant, qui avait remporté des victoires également dans le département de la Manche. Et notre peloton, sous la houlette, on était avec les représentants du team WB, Timoldia Lomilé, à l'image notamment de celui qui avait remporté une victoire du côté de la Bourgogne. Adriano qui s'emploie et ce avec une belle autorité. Cette fois-ci à 3 tours de l'arrivée, ce sera le cas avec d'autres coureurs. Marcel en absence de la carrière. Merci de les saluer. Voilà, on les retrouve avec Guillaume Chandler, avec les pieds dans le double contre. L'ancien vainqueur du Grand Prix de Guégon, qui devait gagner à Bréant. Donc victorieux également sur de nombreux épreuves dans le secteur. Il avait terminé 4e du Tour de l'Herbe, 10e de Nantes, Segré, et 5e du championnat de France. Donc, ce sera des prix de 60 euros avec 3 parts à faire valoir, que ce soit avec les 30, tout comme également les 20 et les 10. C'est la prime avec ici la nouvelle distribution des cartes, puisque Baptiste Lemaire qui a été revu. Nous sommes avec les autres coureurs, notamment de Fabrice Bourbin, sur l'ouverture. Ce sera le cas notamment avec, que ce soit en deuxième position, il y avait la bonne présence dans la nouvelle région. Le vice champion de Bretagne des juniors qui pointe jusqu'alors au niveau de la deuxième position, lequel est précédé également d'une réputation qui s'avère des plus flatteuses, en témoigne notamment sa victoire d'étape l'an passé sur le trophée Sébaco. Passage à 2 tours de l'arrivée, ce sera le cas également avec les autres représentants de la formation des Côtes d'Armor. Ça plaque de toutes parts, notamment avec Sven Lou qui était quant à lui sur le relais. Passage messieurs, 2 tours. 2 tours messieurs. Voilà Eric, en 3e position, on avait également le 155. Emmanuel Moisan de Costa Morica qui porte déjà les couleurs de Vaublin, qui avait gagné la première moitié. 2e de la Coupe de France à Coupe et champion de France de poursuite. Vice-champion de France à l'américaine.
Ali était là également, le gars de Foumagoire. Emmanuel Moisan sur le tir de tête. Au passage, deux tours de l'arrière. Et le présent passage de prime, puisque ce sera la prime de 100 euros. Trois par à faire valoir avec toujours les trois coureurs présidés visiblement. Apparemment donc, les voilà. On était tout à l'heure avec trois coureurs, c'est le point d'interrogation. Merci de les accueillir par le biais de vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, puisque nous sommes, que ce soit sur l'ouverture. Qui effectue le retour spectaculaire avec d'autres coureurs qui seront en embuscade. On va les découvrir les uns les autres, que ce soit avec les autres coureurs de Baptiste Lemaire qui a encore des cartouches à faire valoir. Toujours est-il avec deux coureurs installés sur le devant de la scène, que ce soit avec le Britannique, celui qui a été 2 ans dans le peloton professionnel, qui avait brillé notamment du côté de la Belgique où il a remporté de nombreuses victoires. Il a été également celui qui a vendu le deuxième sur le Grand Prix de Herpa. Adam Lewis qui est sur l'ouverture aux côtés de Fabien Schmitt, l'ancien double champion de Bretagne, celui qui avait remporté également le sur le Tour de Bretagne. Derrière, on restera prudent puisque d'autres coureurs également qui vont se présenter à l'entame. Ce sera bel et bien du dernier tour. Ils ont besoin de vos encouragements. Merci de les applaudir les uns les autres, quelle que soit la position. Merci de l'accueil. Aux abords de ce podium, c'était le coureur de Fabrice Plevin, puisque nous étions avec le Finistérien Maxime Arzel, qui avait été champion du Finistère des poursuites. Autre passage avec cette fois-ci le coureur venu de la Normandie, c'était Antonin Héron, qui a été l'un des grands animateurs de la journée. Un peloton qui vole en éclats, une démonstration qui a été impertinente tout au long de cette épreuve. Le passage pour l'ensemble des coureurs, on sera donné bien donc à un tour de l'arrivée. Ce sera le cas également avec, je crois savoir, avec Raphaël Clou, le citoyen de France, pour celui qui avait été le lauréat. Ça fait plus de 5 victoires notamment en poisson pour le tour de Pérou. Prochain tour, messieurs, c'est l'arrivée. Voilà, merci Eric. Il faut savoir d'ailleurs que Fabien Schmitt roule sur les cycles roues à Qatar. De cette organisation, celui qui avait été également l'honneur sur le Tour de l'Estonie, le sprint qui se prépare. Deux coureurs dans l'allure et pas des moindres, que ce soit avec le Britannique Adam Lewis. C'est parti de très très loin avec le Britannique Adam Lewis, Fabien Schmitt qui sera le vainqueur. Fabien Schmitt qui vous salue de la première manière qu'il soit. Adam Lewis en deuxième position, derrière également pour les places d'honneur, que ce soit notamment avec d'autres coureurs qui ont effectué un retour des plus spectaculaires. Emmanuel Moisan, le double champion de France sur le vélodrome, troisième, superbe arrivée. Voilà, d'avoir également Hugo Chaudemer franchir la ligne avec le groupe de contre. Ah, il est là maintenant pour tout le monde. Dans quelques secondes, il y a une foule. La foule à plein tête sur l'ensemble du parcours. Alors, c'est l'arrivée. Eh oui, et vrai, on a battu tous les records aujourd'hui de fréquentation. Beaucoup de monde sur l'ensemble du circuit final. Ce sera l'arrivée également pour les autres places d'honneur, que ce soit avec les Briochins, tout comme également les Normands. C'est un gang pour l'arrivée. Super arrivée avec le Morbihan et de service, Victor Driano, celui qui avait remporté étape sur la ronde du Sud-Bourgogne. Deuxième également sur la ronde du printemps. Félicitations. Nous sommes également, mon cher Marcel, c'était l'arrivée, je crois savoir, avec peut-être votre voisin, effectivement, Raphaël Blon, le citoyen de Brou, 5 fois vainqueur sur la saison de 2019, pour celui qui a été souvent place d'honneur l'an passé, notamment à Trélazé, où il était en 4e position. On salue l'ensemble des coureurs, quelle que soit la position à l'arrivée, les coureurs de Jacques Burlot, les représentants de Barnet Cyclisme Performance, la formation de Fabrice Manchec, c'était l'arrivée également. Grégoire Le Calvé qui avait été le champion du Finistère, vainqueur sur le Grand Prix de l'Orient, sur le Grand Prix d'Hennebeau, qui avait remporté également le Grand Prix Femec. Avec l'équipe, on a décidé d'aller aux plages, ce qui n'était pas le cas les autres années, et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Bon, j'ai pas pris de risque là-bas, donc les résultats n'étaient pas forcément là, mais ça fait quand même du rythme et des kilomètres en course, donc ça fait du bien, et je l'ai senti aujourd'hui.
malgré que j'étais pas très bien au départ, mais au bout de 80 km ça allait beaucoup mieux et je me suis dit j'ai bien fait d'aller courir aux plages. Et puis bah j'ai jamais rien fait à Plaintel, donc je me suis rappelé de pourquoi j'avais jamais rien fait. J'avais jamais rien fait parce qu'à chaque fois j'avais un coup de retard sur le circuit. Donc je me suis dit bah tant pis, même si t'es pas bien, tu prends ton coup d'avance. Et puis finalement ça a bien marché. À 25 km de l'arrivée, il y avait encore pratiquement la minute d'avance, 50 secondes, 55 secondes d'avance pour Mathis Lebert. Est-ce que dans le peloton on se disait c'est pratiquement cuit, il peut aujourd'hui gagner? Moi je croyais qu'il allait gagner bien plus loin que ça de la ligne. Par contre à 50 secondes sur le circuit, non. Parce que derrière on était quand même frais encore. Enfin du moins une partie de l'échappée derrière était assez... Enfin, je pense qu'on était frais parce que la plupart n'avaient pas forcément mis d'attaque avant. Donc les premières attaques on a tout de suite bouché 20-30 secondes, on le voyait. Géant, là s'il repart, c'est pas possible. Donc il a quand même rattaqué et il a réussi à repartir, donc il était vraiment je pense le plus fort de la course. C'est clair, c'était le plus fort. Pour autant, l'expérience qui a pris le dessus, parce que là aussi ça a contribué à nous à valoir la victoire, celle de Fabien Schmitt aujourd'hui. J'avais plus trop le choix parce que j'ai tellement raté cette course qu'à un moment donné j'aurais pas toujours ces jambes là. Donc je me suis dit là faut vraiment que je me concentre et que j'arrête de faire des erreurs inutiles. Et je suis très content d'avoir réussi. Et c'est un plus également, du moins pour la formation de l'UC Briochine Bleu Marine, de remporter une telle classique. Ah bah c'est génial, déjà c'est l'objectif hein, quand on démarre une saison, c'est de briller sur les classiques bretonnes. C'est pour ça, je disais tout à l'heure qu'on était allé aux plages vendéennes, c'est pour se préparer, pour travailler notre cohésion, qui n'était pas au top d'ailleurs aux plages vendéennes, parce que c'est pas évident de prendre des repères. On a bien discuté ensemble et aujourd'hui ils ont fait une super course, vraiment une super course. Donc ils peuvent être fiers d'eux et moi j'étais là pour conclure, donc je suis vraiment très content pour l'équipe et forcément pour moi. Dernière question, quelles seront les ambitions de Fabien Schmitt pour les semaines à venir, surtout se faire plaisir sur le vélo? Oh, moi c'est que ça, je me fais plaisir, on verra. Des fois je tente des coups de loin, des fois je reste, voilà, bon, j'ai une tactique qui est un peu la mienne, hein, mais bon, voilà, non, c'est juste prendre du plaisir, il n'y a pas d'objectif particulier. Merci, on va le remercier à notre manière. Vos applaudissements destinés à Fabien Schmitt, l'ancien professionnel, champion de Bretagne, lauréat sur le Tour de Bretagne, sur l'Estival Bretonne, le Paris Tour, tout comme également sur une étape de la Minute Bretonne. Ça mérite de nouveaux applaudissements dignes de son talent, on va s'en donner à cœur joie. Monsieur le maire, je vous laisse briller également pour la remise.